Vous voyez les gars, ici il n'y a pas de lampadaire. Complètement ghetto. Alors on ne s'appelle pas Buse, hein, avec sa lampe frontale sur la gueule, sur la ganache, en train de dire il y a quelqu'un, si vous m'entendez. Non, non. C'est ici, l'approvisionnement ne se fait pas. Ici, la nuit est totale. Hein. On est dans la pénombre ici. Moi, j'aimerais bien vous montrer que s'il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de lampadaire, mais ma parole, ma ronda, ici, je peux me faire attaquer par un buffle, par un sanglier, par un loup, par un dogman. Alerte dogman. Hein ? Eh bien, on n'aura pas de lampe. Alors, j'ai vu les prix hein, sur nos amis les Chinois. Une lumène à plus de 10K. Alors, généralement, il faut compter 9 à 10 euros. Rechargeable à pile ou rechargeable à USB. Vous voyez là, je vous mens pas, il y a une voiture qui arrive. Je vous avais dit, hein, ma parole que je kiffe sa daronne quand c'est comme ça. C'est calme, c'est silencieux, c'est discret. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut pas qu'on croise l'animal sauvage. Bon après, vous me direz, on n'est pas dans Red Dead non plus, hein. Ça va. On n'est pas au fin fond du Colorado, quoi. Le plus dangereux pour moi, à cette heure, à cet instant T, c'est les voitures. Déjà, quand elles ont de plein jour, avec du soleil cabré, déjà, ils sont dangereux. Alors de nuit, motherfucker, on voit des accidents, on voit des morts, on voit des rats écrasés, des lapins écrasés. D'ailleurs, j'ai croisé beaucoup de monde, les gars. Aussi, je voulais vous dire, je me suis remis à The Division 2. J'ai extrêmement bien avancé. J'ai fait la parallèle event. J'ai obtenu tous les skins. J'ai respé mon build. Excellent. Je tape. Alors, j'ai pas envie de vous dire combien je fais de dégâts de headshot parce que j'ai peut-être envie de pas vous spoiler. Parce que je vais monter vous faire une vidéo dessus. Sachez que la vidéo sera postée telle qu'elle, dans le noir. Donc merci à tous les voyants qui compteront jusqu'au bout. La durée est indéterminée étant donné qu'on est ici. J'aime tester des expériences. J'aime tester des atmosphères. Donc elle peut durer plus longtemps que prévu justement. C'est ça le ghetto. C'est avoir des choses qu'ils ne maîtrisent pas, mais apprécier ces choses. On s'appelle... Regardez, je vous mens pas. Ah, mais on les voit même pas. Ah. Mais comment ça se fait qu'il y a le flash qui est activé? Je comprends pas, moi. J'ai pas demandé. Alors, est-ce que c'est une optimisation automatique? Mais les mises à jour, c'est vraiment de la merde. Oula, en plus, ça va me bouffer toute la batterie si je laisse le flash. Non, non, je peux pas vous laisser. Le problème, c'est que si je vous laisse le flash, je pourrais pas utiliser mon outil de travail tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais regardez, je vous mens pas, hein, mec. Voilà, on prend le petit chemin de terre. Ma parole, qu'est-ce que j'ai kiffé. Et c'est là que je tombe en plein sur les dogman. Alerte disparition. Oh là là. Disparition, mec. Après, je vais vous dire, pas le sport, parce qu'il y a des gens dans mon corps. Après, je vais vous dire, il faut pas non plus jouer le cacou. C'est pas parce que tu fais 100, 110, 120. Bon, là, j'ai extrêmement peur, parce que j'ai des problèmes de santé. Ah bon. C'est pour ça qu'on a été absent longtemps. Hein. Mais bon, on va pas raconter. Hein. Ça fait partie de la vie. Hein. Voilà. Ah, je suis content là, je suis plus avec les voitures dans le flanc. Par contre, j'espère que je vais pas nous offrir. Mais c'est fou ça qu'il fasse aussi noir. Cet été, même à 7h, tu partais, il n'y avait pas de problème, on voyait correctement. Mais alors là, t'arrives en automne, t'es en automne. D'accord, c'est loin. Est-ce qu'ils vont m'aboyer? Ouais, ils m'ont aboyé. Dès que j'ai mis le flash, paf, il m'a aboyé. Je savais que j'allais me faire triquer.
Oui, mais c'est moi. C'est moi, mais c'est moi. Mais c'est... Il est con, mais il est con, celui-là. Mais t'es con! Oh, putain. En fait, tu sais pourquoi il est con? Parce qu'en fait, son pote, lui, il sait que c'est moi. Il sait que c'est moi. Il n'a jamais vu Tricard. Il a capté. Mais le deuxième, c'est il est con comme la lune. Oh, ma parole, il est con à bouffer du foin. Le deuxième, c'est insoutenable. Hier, j'ai pris un bâton, je lui ai refait flipper encore. Je me suis mis devant lui. J'ai dit, maintenant, tu vas te calmer. Hein. Tu vas arrêter de m'avouer dessus. Hein. Bon, bien sûr, moi, je touche pas les animaux. Hein, attention. Hein. Mais c'est coup de frayeur, vous savez, coup de frayeur, coup de boiteur. Hein, moi, je fais de la drum, hein, je suis un drummer. Hein. Donc forcément, j'aime bien simuler les battements de tambour, vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'y a rien à faire, il est con à bouffer du foin, le deuxième. En fait, c'est les roues du tracteur, elles sont très interposées au sable. Putain, on n'y voit rien. Moi, je m'appelle pas Buse, là, hein, la saleté. Il n'y a qu'un lien. Mettez-moi une petite claquenette. Il a 50 lampes. Je sais pas combien il a de lampes, le bonhomme, sur lui. Et quand il y en a une qui n'a plus de batterie, il fait... Oh, je comprends pas. Elle était pleine tout à l'heure. Le type, il a 50 trucs connectés en même temps. Il a 50 trucs allumés en même temps. Il a tous ses chargeurs sur lui. Tu penses un peu à l'écologie du con. Tu penses un peu à la résolution, hein, la fin de l'abondance, hein, la dissolution de l'activité d'Internet. Est-ce que tu penses à ça, mon coco? Parce que c'est bien beau de faire son pognon comme ça, sur les gens crédules qui disent « Ça existe, oui, un coup d'ombre, oh, c'est merveilleux !» Ou bien « Oh, c'est fantastique, avec ce montage et son piano, c'est un vrai Spielberg, ce type, tu vois ?» Ça, c'est des gens crédules, c'est les PNJ, c'est ceux qui donnent une seconde chance. Alors moi-même, j'avais dit qu'il fallait laisser une seconde chance à ce bonhomme. Mais la vérité, c'est que quand je vois l'évolution, l'ascension, et le fait est qu'il coupe des passages, et qu'il dit « ce passage-là est réservé pour ceux qui louent la location », je ne supporte plus ça, je me dissous de ça. Abstractions-nous de toute cette dérasance, cette racine est à déraciner, si vous voyez ce que je veux dire. Non, moi tu ne marches pas comme ça avec moi. J'ai beau t'avoir soutenu par le passé, si tu fais une erreur gravissime, hein, c'est comme Monsieur Poutine, son ami, mon camarade de longue date, il s'appelait Prigojine. Ok? Et Prigojine, il a fait une grave erreur, insurmontable, insoutenable, que même le plus grand des guerriers n'aurait jamais fait. Et ça, c'est quand tu t'habitues trop au luxe, au pouvoir, à la notoriété. Tu ne te rends plus compte. Tes pieds décollent, tu es dans le ciel, dans un air plane. Tu es tellement haut que tu te sens plus réellement comme la personne qui était au premier jour. Quand tu as rencontré Vladimir Poutine. Et ça, c'est le problème, camarade. Avec ce genre de problème-là, la seule solution, quand il y a un homme et un problème, et qu'il n'y a ensuite la mort, plus de problème, plus d'hommes. Ça, c'est la rusticité de la Russie, mon ami. C'est ce que j'aime chez les Russes. Ils sont directs, ils sont cash. Mais, moi, je ne suis pas né là-bas. Mon étoile a dit, non, mon coucou. Et vous rendez compte que je suis dans les chemins partout, depuis je ne sais guère combien de temps. Ma parole, quoi. Et que je descends et tout, il y a des pieds, des trucs partout. Bah, moi, je suis Splinter Cell, tu vois. Ou Solid Snake. C'est-à-dire qu'en fait, mais je mets la lumière de façon stratégique. Je me dis, quand c'est chaud, je la mets. Quand c'est notre scène, je la mets pas. L'autre fois, j'ai croisé des gus, là. Sur ces chemins, je me dis, mais comment c'est possible, quoi. L'activité humaine est partout, quoi. Bon, moi, je veux bien, parce que je suis solide. Je suis Snake. Donc, forcément, je vais me cacher. Je me suis dit, putain, j'aurais dû me cacher derrière les buissons avant qu'ils pop, quoi.
Motherfucker. On a bien dormi quand même. Hein. Malgré que là, il fasse. Bon, je réteins. Hein. Parce que les gars, j'en ai besoin. Hein. C'est mon outil de travail. Mais il faudrait que je sais pas. Mais le problème avec cette putain de téléphone, c'est qu'il n'y a plus de batterie externe. Du coup, tu peux plus en acheter une seconde en backup. Bande d'enflure. Quand ça marchait bien pour nous, vous avez vite fait que ça marche plus pour vous, pour nous, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait un putain de sanglier qui me charge. Bon. Et là, il me fait comprendre la douleur infernale de cette planète. Bah tu sais, comme quand il charge les putains de voitures en fleurs là. Bah moi faudrait qu'il me fasse pareil. Yata. Hier des chiens sont venus à moi, mon sentier. Ils avaient peur. On sentait qu'ils avaient eu la battue parce que dès que j'ai commencé à mettre la main pour le caresser, il a fait 3 pas en arrière le gus. Mais il avait l'air cool. Mais bon, qu'avait-il? Malheureusement, les humains ne savent pas différencier la bonté d'âme des animaux et celle des humains. Ils pensent qu'on est tous pareils. Qu'est-ce que j'aime? Vous voyez, sa glisse là, il serait en train de flipper là-dessus, de se dire, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il fait, ce bonhomme? Moi, j'aime cette activité. Hein. J'aime cette activité, je me sens en harmonie avec cette magnifique endroit. Donc là, j'ai du boulot, les gars, donc on y va ensemble, hein, vous m'accompagnez. C'est exclusif, profitez-en, on est à 12 minutes. Rares fois seront les éléments obscurs, nocturnes, hein, c'est le cas de le dire, où vous me suivrez en totale harmonie avec moi. Alors malheureusement, je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment parce que j'ai eu un petit problème. Donc là, par contre, on passe sur un terrain caillou, plus rocher, plus grosse descente. Il faudrait peut-être que je mette la lumpen, mais j'espère juste que je ne vais pas me tordre la cheville. S'il vous plaît, alléluia. Je vous remercie la sainteté d'abréger mes souffrances s'il avère qu'il se passe quelque chose de très dangereux. Mais bon, on n'est pas des alpinistes non plus, hein. Toutefois, ça aurait été un métier qui m'aurait grandement plu. Le truc, c'est que t'as pas droit à l'erreur, quoi. C'est ça qui me fait peur. Enfin, c'est pas que ça me fait peur, mais je trouve que ce métier est injuste. Déjà, alpiniste, si tu tombes une fois, tu tombes toujours, quoi. Et ça, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Ça dépend le concept. Mais je trouve que le concept homme versus nature, il est déjà perdu d'avance. La nature est infiniment plus puissante. Vous voyez? On l'a bien vu en Turquie, on l'a bien vu en Haïti, on l'a bien vu dans ces patelins où du jour au lendemain, ils se disent hey, « Eh, mec, on n'a plus besoin de toi. Tu nous as manqué de respect. » Au Maroc aussi, si c'est pas ça. C'est perdu d'avance si tu veux jouer contre la nature. Tu sais... Oh, bon, bref. Je l'ai déjà dit 20 fois, je le sais déjà en plus. Bon, bon. C'est barbatif. Rabarbatif. Ah, là, là. Là, ça va qu'il neige pas, il n'y a pas de verglas. Là, on est en mode difficile, mais on n'est pas en mode vrillard. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ce soit en mode vrillard, il aurait fallu de la gadoue, de la pluie, du verglas. Et un sanglier qui pop toutes les 7 minutes 50. Vous vous rendez compte, j'ai vu que des lapins, des chiens. Les volatiles, ça c'est normal, hein, j'en vois pas. Mais en termes de terrestre pur, se dire qu'on croise même pas de fox, même pas de loup, même pas de sanglier, tu vois, c'est là où tu dis qu'on a un problème, quoi. Parce que, en toute logique, ce sont des animaux qui sont là à profusion, hein, avec nous. Par contre, là, je mets la lumière parce qu'il y a un petit pont à traverser, vous voyez. Et ma parole que si tu te loupes, tu tombes dans le bec, quoi. Bon, les gars, je vais vous laisser parce qu'après, il y a une intersection et on arrive dans plein de pattes là et j'ai pas envie de déranger là. Et puis même ma batterie, si je... Voilà, je préfère l'économiser, je vais en avoir grandement besoin tout à l'heure. On n'était pas à 100% en partant, on devait être à 70.
Donc, backup, countdown, countdown, alert, alert. Ok, les gars, bon. Pourquoi je mets mon doigt dessus, moi? C'est horrible, les gars. En plus, j'ai la tête dans le Kevlar, donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Enfin, pour moi, à mon sens. Bon, les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette magnifique vidéo. Si vous appréciez ce type de contenu obscur, non obscur, 100% toute franchise, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous souhaitez que je revienne sur cette vision 2, que je vous présente toute mon bulle, mes nouveaux skills, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir. Québec. Mode en mode.